Well, 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 well. Ouh. Ismaël te represent with LVPM en tout le temps, tout time, le sap ça. Hey yo, à tous les masques, à tous les quartiers. Ozette, Bob Ferré, La Patrice, Sabla, Boboy, Zip, Original, Sant, Mon Jovi. Il faut que ça le fasse à 87 battements par minute, il mange, oui, Man, c'est devenu les compresses. Lâcher du lest, évacuer bois et stress avec beaucoup plus de souplesse. Surmonter tes faiblesses pendant que d'autres se font dans l'ivresse. Mets le cap sur le sud et arrête-toi au centre-ouest. Yes, si tu veux décompresse, lâcher du lest, ralentir, décélérer, rétrograder d'une vitesse. Bien que chaque jour ta vie se comble de joie, d'amour, d'allégresse. J'en fais pas la promesse, mais je te propose une adresse. 87, l'image chaudière. À mes distances de toutes nos grandes agglomérations, ici la vibe est bonne. Les gens sont cool et zen. Si tu veux vivre un esprit sain dans un corps sain, le mieux on y vous aime. On I tell you de ma ville jadis, la capitale des arts du feu, mes porcelaines s'étaient installées en souveraine. La salle bâtisse et quelques rues nous les jouons à l'ancienne. Y'a yeah, même des conduites yeah. La gare monument historique, elle représente l'élite numéro 1 à l'échelle européenne. Mais si on parlait de la mienne, on est d'accord mais les belles noms pas aussi souillées que certaines. Mais viens faire un tour de nos plaies. Et sur nos morts, vas-y m'en donne pour la peine. L'oxygène est à l'extrême et ça sent bon le pollen. Mais si tu veux des compresses. Hey yo man, si on te dit qu'il fait le taf actuellement, le follow 87 BPM Phoenix de Prod. Le travail se fait 24 H pour ça. Yeah, yeah, bien moi c'est Man puis Il, puis Il Ismaël ou Ismaël, puis il appelle seulement et je reprendrai présence ici. C'est une longue histoire en fait, c'est-à-dire que au tout début de ma première équipe, il y avait beaucoup de Poupa quoi. Poupa Alan, Poupa Roland. Et moi, voilà, moi aussi c'était un Poupa et donc j'ai diminué ça à PI quoi. C'est-à-dire que PE quoi, le E de Eddy qui est mon prénom en fait. Et après ça c'est. À force de m'appeler P.I. P.I., les frères étaient en liaison P.I.L. Donc c'est passé P.I.L. Donc I.L. le pronom personnel quoi. Et sinon Ismaël c'est biblique quoi. C'est par rapport au premier fils du prophète Abraham qu'il a eu avec sa servante qui s'appelait Ismaël quoi. Donc de là un hommage P.I.L. Ismaël. Hein, franchement il y a déjà 1900 longtemps hein. Tu vois c'était dans les débuts des années 90 91 quoi. Ben Au niveau caraïbéen, j'écoutais plus du genre. Les DJ qui ont commencé à m'influencer, c'était du genre King Charlie, Raga Bolo, du côté de la Martinique, Dadia, Don Miguel, les Metal Songs. Sinon, au niveau sur les scènes parisiennes, ouais, tu vois, c'est du Pablo Master, du Sai Sai, Raga Dub Force, Massive, du Santol. Voilà quoi. C'est avec mes potes, quoi. C'est avec mes frères que je côtoie encore aujourd'hui. Tu vois, un jour j'ai débarqué chez eux, ils avaient plein de vinyles, des petits vinyles. Et puis ils commençaient à faire passer le son. Ils faisaient passer les sons en fait, tu vois. Et moi je leur ai demandé, mais c'était quoi ce genre de musique, quoi. Et que j'ai écouté, j'ai apprécié, tu vois. Alors dans mon film, ils ont dit, tu vois. J'ai écouté, j'ai apprécié depuis, comme je te dis, depuis les années 90, hein, je suis tombé dedans, quoi. Voilà, quoi. Pour moi, ben, c'est mon. Ouais, au quotidien, c'est mon équilibre. Hein, ça représente. Ouais. Enfin, j'ai deux façons de voir la musique en fait. Il y a la façon quand tu es musicien, quand tu tiens un instrument, tu vois. Et la façon d'écouter la musique. Tu vois. Tu n'apprécies pas la musique de la même façon. Quoi, tu vois. Par exemple, en tant que musicien, ou même un bassiste, par exemple, va plutôt écouter une ligne de basse sur un tune. Ou plutôt écouter ce que fait un autre bassiste, comment il joue. Tu vois, tandis que. Au niveau de l'écoute de la musique même, c'est autrement quoi. Donc pour moi, c'est plus un équilibre musical. Et dans l'instrument même, c'est plus une fuite quoi. Quelque part, je vais me réfugier pour jouer ma musique quoi. C'est plutôt des lyrics clash ou alors des lyrics 36-15 code fest. On commence tous avec ça quoi, des lyrics Bonani, Gal quoi. Slackness quoi, tu vois. Et puis au fur et à mesure, tu te forges une personnalité.
ça devient plus dans le conscient, quoi, tu vois. Et dans l'UNEX aujourd'hui, je développe beaucoup sur la Bible, sur Jah, sur les inégalités, sur l'amour aussi, l'unité, quoi. Peace and love. Je pense que, tu vois, le mouvement par rapport à avant, maintenant, par rapport à ça, ça a beaucoup évolué. Et les gens, ils sont plus déter, quoi. Même la nouvelle génération qui arrive maintenant, ils sont pas forcément dans clash, quoi. Tu vois, ils ont déjà, assez jeunes, ils ont déjà des choses à dire, quoi. Tu vois, par rapport à ce qu'ils voient à travers la télévision, à travers le monde entier, quoi. Tu vois, ils arrivent plus déter et ils sont plus carrés, quoi. Tu vois, avec l'équipe, depuis quand l'année a basculé, quoi, 2010, on a couvert quelques dates, tu vois, et que ça m'a bien reboosté, quoi, tu vois, ça m'a bien reboosté, et depuis, je me suis remis au micro sérieusement, tu vois, et là, je me retrouve pour faire un petit maxi de 10 titres à peu près, voilà, quoi. Ok, frère. Ouais, j'ai mon MySpace MKJ Family, tu vois. Il y a aussi le blog de l'équipe 87BPM, 87BPM blogspot.com. Yes. Et il y a aussi mon Facebook, quoi, Ismaël Pignot.